Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, les températures ici dans les Landes, elles sont un petit peu tombées, on va dire. Il va faire chaud encore, mais pas de forte chaleur comme on a eu. Voilà. On devrait atteindre dans les 20, entre 26 et 30 degrés, mais ça va, c'est supportable. On a des nuages, ça fait que voilà, ça va un peu apaiser les températures. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour mon bilan. Alors mon bilan de la deuxième semaine du mois de juillet, c'est-à-dire du 11 au 17 juillet. Et en même temps, je vais tout vous raconter sur le vide-grenier. Voilà, et le baptême, et tout, et tout, et tout. Alors, le baptême s'est très, très bien passé. Il a fait très chaud, mais heureusement qu'on avait de l'eau, hein. On a fait beaucoup de jets d'eau, beaucoup de, voilà, beaucoup de jeux à partir d'eau. Ça a rafraîchi les enfants, mais les adultes aussi. Voilà. Et puis, mon vide-grenier s'est très, très bien passé. Voilà, alors j'ai investi à Action, comme j'ai dans le hall que vous allez voir. J'ai investi dans cette petite trousse à deux compartiments. Voilà. Et puis voilà. Alors ça, c'est pour ceci. Pour mon. Et ça, c'est mon vide-grenier qui a très, très, très bien marché. J'ai fait. Alors, j'ai fait une vente de 60 euros. Voilà. 60 euros, j'ai vendu. Et il me reste 21,70 € en pièces qui serviront pour le prochain vide-grenier que je compte faire, puisque vu que ça a bien marché. Autant continuer. Alors cet argent-là, je vais voir ce que je vais en faire. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, mais je vais avoir l'utilité. Vous allez voir, je m'inquiète pas. Ensuite, dans mes courses de la semaine, voilà. Hop, il m'en manque un. Voilà. Je mets mes petites notes. J'ai retiré 150 euros. J'ai eu pour 50 euros à Netto. J'ai fait mes courses le 15 juillet. Et j'ai été aux grands frais acheter beaucoup de fruits, surtout, et un peu de légumes. J'en ai eu pour 30 euros. Voilà. Et j'ai donné 10 euros à mon mari pour la semaine pour le pain. Allez, ça fait. Et il me reste 60 euros. Alors, le distributeur m'a donné que des billets de 50 euros. Franchement, j'aime pas du tout. Alors, ce que je vais faire, je vais changer mon billet de 50 euros avec l'argent du vide-grenier. Voilà, comme ça, j'aurai de la monnaie. Voilà. Et tout ça aussi. Alors là, et j'ai été à Action, mais ça, on va le noter ensemble. J'ai retiré 30 euros et il me reste 25 euros qu'on remettra dans l'enveloppe d'Action. Allez, c'est parti les amis. On fait le budget enveloppe. Voilà. Hop, je me mets ici. Ça, on le met sur le côté. Alors, comme je disais, j'ai fait un dépôt le 15, le vendredi 15 juillet, j'ai fait un dépôt de 150 euros.
Ok. Et de là, j'ai été en étau, toujours le 15 juillet. Alors, je n'ai pas eu de 6 euros, c'est pas à chaque fois, hein, c'est ça dépend. Voilà. Et après, j'ai été à au grand frais. J'en ai eu pour 30 euros. Il reste 70. J'ai donné à mon mari pour la semaine. Alors, je marque don mari 10 euros. Voilà, il reste 60 euros. Voilà. Ce qui est pas mal pour une deuxième semaine. Alors, du coup, comme je vous ai dit, j'ai pris 30 euros. Et j'ai été à Action. Où j'ai mis mon petit quai? Ici. J'ai été à Action le 16. Alors, on va mettre retrait en rouge. Le 16 juillet, j'aurais dû marquer retrait, ça aurait été plus logique. Alors, beaucoup de personnes me demandent où j'ai eu mon stylo gomme. Pour rappel, je l'ai eu à Amazon. Vous tapez stylo gomme ou gomme et vous allez avoir le stylo automatiquement. Alors, retrait le 16 juillet. J'ai retiré 30 euros. Ça fait qu'il reste 20. OK. Voilà, mes deux billets de 20. Et aujourd'hui, nous sommes le 20 juillet. Je vais faire un dépôt de 5 euros pour l'instant. Ça fait que j'ai 25. Voilà. Les 5 euros, je ne les mets pas en... En défi des 5 euros, je vais les mettre là. Comme ça, je sais que pour la prochaine fois, pour l'instant, j'aurai 5 euros. Mais ça, après, on verra au remplissage des enveloppes. Voilà. Du coup, alors, pour les sorties resto, bon, il me reste toujours 40 euros puisque j'avais mis, mais OK. Là, je vais faire un dépôt de 10 euros. Ça fait que j'ai 50 euros. Alors, qu'est-ce que j'ai en... Est-ce que je peux mettre... On a prévu avec mon mari une petite sortie. Voilà. Du coup, je mets un billet de 20.
et je prends un billet de 10. Voilà. Santé, eh bien, je vais ajouter, je vais faire un dépôt. Je vais faire un dépôt de 10 euros pour l'instant, puisque j'ai vidé l'enveloppe. Ensuite, le défi des 5 euros. Et bien, du coup, aujourd'hui, je n'ai rien. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, les 5 euros de chez Action, je les garde. Dans les imprévus, je vais mettre 10 euros. Ça fait que j'ai 60 euros. Pour l'instant, ça va. Je suis assez contente de moi. Voilà, je mets mes 10 euros. Pour la voiture, j'ai 90 euros. Pour l'instant, ça devrait aller. On verra si je rajoute après ou pas. Là, je vais prendre anniversaire et je vais anniversaire. Je vais j'ai 50 euros en anniversaire. Pour l'instant, je ne les touche pas. Ouais, Noël, oui, je vais ajouter pour Noël. Parce que maintenant, du coup, ça va être objectif mettre pour Noël. Alors, dépôt, je vais mettre 10 euros. Voilà. L'enveloppe Noël commence à monter un petit peu. Voilà, on a 40 euros. Du coup, là, je vais prendre 20 et je vais mettre le billet de 20. Voilà, 20, 30, 20, 30, 40. Combien j'ai dit? Oui, 40, pardon. Là. Ok. Pour les soldes du mois de janvier, je vais déposer 10 euros. Voilà. Vaut mieux commencer à prévoir. Voilà, et il me reste 10 euros. Les autres 10 euros, je les ai donnés à mon mari. Et du coup, ces 10 euros, je vais les mettre pour la voiture quand même. Et là, on est à 100 euros pour la voiture. Voilà, là, c'est bon. J'ai mon budget réparation pour la voiture et le contrôle technique. Ok. Voilà. Au niveau des ventes Etsy, alors j'enlève tout. J'ai fait pour
36,03 € de vente. Alors là, on va marquer 35. Et j'ai été payé. Les ventes que j'ai fait du 11 au 17, j'ai été payé le 18. Mais on va mettre le 11. Etsy, j'ai dit 35 € de vente. Ça fait 55 €. Voilà, là je suis à 55 €. Du coup, je vais rajouter mes 35 €. Voilà. Et là, je mets dans mon enveloppe. Ce qui me fait 2, 4, 5, 55. Voilà. Je le cherchais. Voilà, je range au fur et à mesure là. Ici, du coup, pour la semaine 2, j'ai fait, comme je vous l'avais dit, un bénéfice de je ne sais plus 60, pardon. En pièces, je la donne à mon mari. Voilà, 60 € de bénéfice cette semaine, c'est pas mal pour une deuxième semaine. Voilà, ensuite, et bien le l'argent du vide-grenier, eh bien, je vais la mettre. Dans mon enveloppe qui pourra me servir pour un autre vide-grenier. Je vais le mettre ici. Avec voilà, pour faire un achat ou se faire plaisir, on verra. Voilà, et bien la vidéo est terminée, vous voyez. Je suis contente de moi, j'ai fait une belle semaine. J'ai été raisonnable. Voilà, j'avais peur de dépasser le budget, et bien non. Pourtant, il y avait ma fille, il y a eu le baptême. Voilà, on s'est fait plaisir, mais on a fait plein de choses. Voilà. Et bien la vidéo est terminée, je vous fais de gros gros bisous, on se retrouve pour un prochain tuto ou une vidéo, voilà. Et quant à moi, et bien, je vous fais d'énormes bisous, bye bye.